Bon, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. L'influenceur Kenza Banchrif, également connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Poupette Kenza, est au centre d'une polémique après avoir exprimé des opinions antisémites sur sa story Instagram. Dirkla a déclaré qu'elle avait partagé sa déclaration avec les procureurs. L'influenceur française Poupette Kenza, dite Kenza Banchrif, a fait l'objet de multiples signalements après avoir tenu un discours antisémite sur son compte Instagram mercredi 15 mai, et son nombre de followers a augmenté de plus d'un million de personnes. Les procureurs ont été informés de ces propos par la délégation interinstitutionnelle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, mais Poupette reçoit beaucoup d'aide de la part des musulmans qui défendent la cause palestinienne, mais Dylan Terry défend aussi Poupette depuis le début de cette conflit. On voit que certaines influenceurs ont pris ce combat et l'ont médiatisé et dénoncent cette injustice, et pour plus de détails on va écouter les propos de Poupette Kenza. Aujourd'hui, dos, caca. Et j'avais trop besoin, après tout ce que j'ai vécu émotionnellement ces derniers jours, de dormir. Je dormais plus en fait. Genre j'avais des gros cernes, la nuit en fait, je me réveillais dans la nuit en sursaut, avec des peurs et tout, j'étais pas bien. Du coup, je me suis dit, je me repose, je reste un peu avec mes enfants, on profite un peu ensemble. Demain, ça va être un jour là ensemble. Après, maman va aller pour le travail, je t'ai déjà expliqué. J'aime bien les prévenir en amont, c'est trop important pour moi de leur parler, de leur expliquer ce qui va se passer et tout. Je peux pas partir le jour même et leur dire le jour même. J'ai besoin qu'émotionnellement, ils se préparent. Et même si c'est dur au début, comme ça, le jour où je départ, c'est tranquille. Dans ma vie? Oui? Tu sais comment on va prendre l'avion? Non. Oui. Merci. Toi, voilà. Voilà pourquoi je préfère le dire avant pour ces choses-là. Mmh. On va discuter après. On a commandé quoi pour manger ce soir? On va manger quoi? Ça s'appelle comment? Les pizzas. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Sacha. Sacha, je sais pas pourquoi j'ai pris ce prénom. Et c'est l'histoire que je leur raconte de la petite fille tous les soirs. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Sacha? Sacha? Oui. Elle est toujours au magasin. Elle a acheté de la banque. Sa grand-mère allait. Vas-y. Elle a acheté de la banque et des fruits. Oui, après. Elle a mis des pommes de terre et des fruits. Ok, maman, je vais. Mais fais très attention. Mon amour, ton t-shirt, il est sale, il faut le changer. Il y a quoi? Il y a des loups. Oh, Sacha a peur des loups. Moi, je peux faire très attention. Elle a aussi des routes. Je vous aime, mon innocence que j'aime. À tout cas. Il y a des requins? Ouais. Ça s'appelle des babies. Chaque. C'est qui Papa Patrouille? Tu regardes Papa Patrouille? Et ton pyjama c'est quoi? Pas de patrouille. Regardez-moi la princesse. Vous avez la sortie où aujourd'hui? À l'aquarium. À l'aquarium avec l'école? Oui. T'es content? Oui? Mon amour. Et tu nous diras si t'as vu des requins et tout. Mmh. Mmh.
Tu nous diras si t'avais des requins et tout. Hein. Enfin, attention, on les approche pas trop. Hein. Ok. Mais bon, basse, je suis arrivée au bureau. Du coup, je l'ai mis sur mon visage, les filles. Je vous ai fait un petit tuto. Je sais pas si vous le voyez là. Mais j'étais pas du tout de cette couleur-là tout à l'heure. De toute façon, je vous mets en avant après. Donc là, il y a que ça sur mon visage et du blush. Donc je vous ai fait un tuto comme ça, vous allez voir. Donc en fait, il sert vraiment de base de fond de teint. Il sert de tout quoi. C'est trop bien. Il sert de base de fond de teint, de bronzer. Et en même temps, la DHA est en train d'agir. Elle va vous bronzer. Quand vous allez vous démaquiller ce soir, vous allez être toute bronzée. C'est pour ça que je l'ai fait parce que, bon, je vais vous mettre le tuto, vous verrez. Donc là, les filles, programme. Je devais rentrer en France demain. Du coup, ça s'est retardé. Il y a eu un problème de dernière minute. Je pense que je rentre vendredi. Voilà, du coup là, aujourd'hui j'ai des mannequins qui arrivent au bureau, on va faire full contenu pour la marque. Je suis dépassée mes poupettes, je suis dépassée, j'ai une grosse équipe, il y a tout le monde qui gère le SAV, tout le monde qui gère les influenceuses qui veulent bosser avec nous, tout le monde qui gère les pharmacies, enfin on a une agence pour les pharmacies, c'est une agence très connue de toute façon, tout ça, mais je suis partout, mon cerveau il est partout, je suis désolée, ça fait 3-4 jours, je suis, c'est le néant dans mes stories, je suis nappée. Et là en fait, donc ça vous fait déjà une petite base, vous pouvez en mettre beaucoup moins, beaucoup plus, comme vous voulez. Et là vous pouvez vous maquiller au-dessus et toute la journée, pendant que vous êtes dehors, vous êtes un peu bronzé et tout, en fait ce qui est trop bien c'est que ça va pas vous faire une différence en mode la veille vous êtes venue blanche au travail et le lendemain vous arrivez directement bronzé. Pas du tout, en fait vous êtes bronzé toute la journée et quand vous allez laver le soir, il y a juste la petite couche au-dessus qui va partir et il y a tout le bronzage qui va rester à l'intérieur. Donc là je vais vous montrer, vous pouvez vous maquiller par-dessus ça. Par contre privilégiez les filles les matières poudreuses. Je préfère vous le conseiller parce que si vous mettez du fond de teint, les filles, ça peut altérer l'efficacité de l'autobronzant. Donc privilégiez vraiment les matières poudreuses. Donc là, vous pouvez venir mettre un petit blush. Donc là, en fait, ça fait office de fond de teint et en même temps d'autobronzant qui est en train d'agir. Donc voilà, regardez, vous mettez un petit blush. Ça fait un teint magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a aucun côté orangé. Voilà, vous me l'avez tellement demandé sur le visage que je vous montre ce que ça donne. Et voilà, comme ça. Ensuite, vous pouvez venir mettre du mascara. Donc vous maquillez et là en fait vous touchez pas votre visage, vous ne lavez pas pendant 4 heures. Vous allez au travail, vous faites votre vie, etc. Enfin même vous pouvez laisser plus longtemps, hein, c'est pas la mort. Mais en fait plus vous en mettez, plus vous allez avoir un résultat bronzé, moins vous en mettez, moins vous allez bronzer. Donc là il y a la DHA qui va s'activer, qui est en train d'agir et c'est en train de bronzer à l'intérieur. Voilà, c'est ça qui est magnifique en fait les filles. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans les autobronzants que j'utilisais avant, les autobronzants classiques, etc. On attend. Mes poupettes d'amour, je voulais vous remercier également puisque on a eu un nombre extrême de commandes, on s'attendait pas à ça. Les délais vont être légèrement rallongés mais c'est le lancement, c'est normal, vous inquiétez pas, vous aurez toutes vos commandes. Donc là cette semaine on est en préparation et tout, dites-vous Inch'Allah vendredi prochain, samedi max, vous avez toutes vos commandes. Je suis désolée, on est surchargé en fait, j'avais pas pensé que ça allait aussi bien prendre.
toutes les pharmacies. De toute façon, il n'y aura plus de stock d'ici la semaine prochaine parce que toutes les pharmacies se jettent sur notre produit, les plus grandes pharmacies de France. On est trop heureux, on est trop contents, mais c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Je suis connectée avec la France entière, je suis connectée partout. Donc voilà, je voulais vous remercier plus que tout au monde pour tout. Et c'est exceptionnel ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de rendre... Regardez les filles, j'ai mon bureau. Ouais, j'ai pris un bureau que pour ça. Mais il faut savoir que CAK, je vais le répéter une dernière fois, ce n'est pas une marque d'auto-bronzant. C'est ma marque de cosmétiques. Il y a un auto-bronzant, il y aura 50 autres produits pour toutes les poupettes de tout genre. Voilà, le prochain produit sort au mois de juin. Voilà. Là, mes poupettes, il va falloir que je gère mon SAV. J'ai des poupettes à rassurer sur les commandes. Vous êtes trop mignonnes. En gros, là, je suis en train de vivre deux vies. Je suis en train de vivre la vie d'une influenceuse et la vie d'une marque, genre en même temps. Et en gros, c'est deux mondes qui sont totalement différents parce que, en vrai, ça se rejoint un peu sur un truc. Faut que j'achète une multiprise ici parce que j'en ai pas. Du coup, mon logo, il va s'éteindre. Ça se rejoint sur une seule chose, c'est quoi? C'est le fait que les gens, ils comptent sur toi. Donc, que ce soit l'influence ou que ce soit les marques, bah, les gens, ils attendent soit leur colis ou soit les poupettes, elles attendent que tu fasses des stories. Donc ça, sur ce fait-là, ça se rejoint. Par contre, attendez, je comprends pas pourquoi on me l'a dit, cherche pas. Petit problème là. Qu'est-ce qu'il y a là? Je viens de t'acheter, tu vas pas me la... Tu vas pas me faire ça. Pas aujourd'hui. J'ai besoin de toi là. Petit problème. Je vais me faire un petit ménage, mais vous savez ce que Calice m'a fait tout à l'heure, je vous explique. Cette robe là, elle est ouverte derrière un peu. Vous avez vu mon teint comme il est beau, mes poupettes? On dirait que j'ai mis du fond de teint, de la poudre, il n'y a rien, il n'y a que mon auto-bronzant. Regardez, j'avais la robe elle est un peu ouverte et Calice il me regardait tout. Et en fait, je crois que je m'étais assis ou levée ou je sais pas, et on voyait ma culotte là. Il me fait, non maman, on voit ta queue. Si tu commences déjà à faire ton commandant avec moi, c'est trop. Donc là, les filles, je vais faire un peu de rangement parce que je vous cache pas mes poupettes, mais depuis qu'on a lancé le truc, j'ai fait aucun rangement au bureau et c'est la pagaille. Genre, j'aime bien être organisée. J'aime bien faire des choses plus claires, sans toutes les preuves. Et là, c'est pas du tout le cas, je vous jure. C'est le bordel. Je sais pas, ça se voit peut-être pas trop, mais par exemple, là, j'ai pris mon aspirateur de chez moi pour le faire parce que depuis qu'on a ouvert, on a pas fait l'aspirateur. Voilà. J'ai ramené mon couvre-vol, j'ai tout nettoyé. Hop là. Les barreaux, il faut que je les enlève. Je crois qu'il est lâché dans la nature pour la pollution et tout. Du coup, hop, ça sent bon coup d'aspi. Ça, c'est un petit bureau d'appoint. Les filles, je vais vous donner ma décoratrice. Vous m'avez harcelé pour ça. Le bureau, la décoratrice du bureau, magnifique. Vous avez trop aimé, je crois que c'est ce que vous avez le plus aimé dans mon annonce, mon bureau. Donc je vais vous donner le contact aujourd'hui de mon équipe. Imaginez tout ça. Voilà, ça c'est fait.
Enfin, vous avez vu, t'as vu là, c'est que l'auto-bronzant, un peu de blush, t'aimes bien? Incroyable. En vrai, t'aimes bien? Ouais. Ça, c'est hyper naturel, on dirait vraiment que t'as passé 6 heures au soleil sans abîmer ta peau. T'as vu, trop beau. Les filles, alors, j'ai plusieurs messages par rapport aux mails de recrutement. Il y a 4000 mails sur la boîte mail et mon équipe, c'est en train de les gérer au max. Donc, l'autre fois, je voulais pas vous dire un petit peu c'était dans quoi qu'on recrutait et tout. En fait, là, on a une équipe assez complète. Mais vu que la marque, elle est en train de prendre une ampleur phénoménale, on est obligé de rajouter du recrutement. Et moi, j'ai vraiment envie d'offrir de l'emploi et d'intégrer des poupettes à mon équipe. Du coup, là, on traite vraiment au fur et à mesure. Même si vous n'avez pas eu de réponse encore, on met les CV de côté, etc. Et voilà, vous n'êtes pas à l'abri de ne pas être appelé. Par rapport aux influenceuses, alors il y en a eu, pareil, la dose, de chez la dose, plein. On en a repéré quelques-unes, d'autres aussi à qui on va envoyer les produits. Mais pareil, il faut attendre le temps d'avoir une réponse, mes poupettes. Par rapport à vos commandes, je vous l'ai dit qu'il y aura un petit délai rallongé pour les commandes, mais rien à craindre. De toute façon, je rentre en France, je vais tout vous filmer. Il y a quoi d'autre on doit dire. À chaque fois que j'ai une robe vert kaki, je vais mettre des lentilles. Donc, vous testez là ce que ça donne. Je les ai pris avec moi tout à l'heure, je voulais les mettre tout à l'heure, mais je ne les ai pas mis. Du coup, t'as organisé les vidéos que tu veux lui faire? Ouais. Ok. J'ai organisé et pareil, là, Je veux des trends tendances et tout. Ouais. Bah justement, les trends, on va faire elle toute seule, elle avec les filles et même avec toi. Est-ce que vous voulez descendre à la piscine ou... Je pense qu'on va faire un peu de tout. Hein. Ouais, ok. Ouais. Mais dans tous les cas, on va commencer là parce que même le bureau, tu sais que... T'as vu, vous m'avez dit que vous avez un album backstage. J'y ai pas accès, j'ai demandé genre la dernière fois qu'on y ajoute. Je suis toujours pas ajoutée dessus. Attends, je vais t'ajouter. Je vais faire ma story, une story très importante pour moi parce que j'ai reçu énormément de messages, je vois des TikTok passer, etc. Par rapport à un sujet très sensible, moi j'ai pris la parole auparavant. Il faut savoir que le conflit, les filles, il dure depuis des années entre l'Israël et la Palestine. Je prends la parole en story parce que quand je suis dans le canal, on me dit que j'ai peur que mes comptes sautent, etc. Donc moi je vais prendre la parole, ça va être très simple. Déjà, j'aimerais savoir pour vous, c'est quand le bon moment pour en parler? Parce que quand on n'en parle pas, on est des égoïstes. Et quand on en parle, là je parle au nom de tous ceux qui ont une communauté. Et quand on en parle, c'est trop tard, on est des hypocrites. Du coup, il faut le faire quand? Pour vous, c'est quand le bon timing? Là, je parle pas à mes poupettes, etc., qui comprennent les choses et tout. Je parle aux gens qui se servent de ces causes nobles, de ces causes très importantes et très graves pour créer des boycotts, pour créer des choses et attiser la haine envers les influenceurs. Donc, ça, c'était la première chose. Alors du coup, maintenant, j'ai une autre question, mes poupettes, parce que je tombe sur des TikTok, etc. Je suis totalement d'accord avec vous à 100% sur le fait de boycotter ceux qui n'en parlent pas. D'accord. Mais qu'est-ce que vous attendez de nous? C'est-à-dire que là, j'ai partagé une cagnotte. Vous avez ma position claire et nette. Je suis une pro-palestinienne. Je fais des dons. Alhamdoulilah, je fais mes actions de mon côté, les filles. Je suis pas trop du genre à... Avant, je disais mes bonnes actions et tout, mais en grandissant avec le temps, tu comprends que... C'est pas la bonne chose à faire, ça fait trop... Ah, j'aime pas les filles, mes petits deux. La troisième chose, c'est pour vous, qu'est-ce qu'une prise de parole de Poupette Kenza dans son bureau à Dubaï va changer? C'est juste ça ma question. C'est qu'aujourd'hui, moi, je peux changer quoi à ce niveau-là? Qu'est-ce que je peux faire de plus que donner ma position et partager des cagnottes? J'aimerais savoir ce qu'on attend de moi, c'est une réelle question. C'est que je me pose des questions, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Enfin, c'est ça ma question. Est-ce que je dois tous les jours prendre ma story et rabâcher ce que vous voyez sur BFM TV? Enfin, encore eux, c'est modifié à leur manière, hein, mais est-ce que quelque chose changera si je dis ce que je pense? Est-ce que quelque chose changera, les filles? Ce conflit, il existe depuis des années. Aujourd'hui, c'est vrai que le boycott, il a un très gros impact. Et c'est vrai que même si, par rapport au Starbucks de Dubaï, etc., le fait qu'ils aient donné de l'argent, c'était peut-être pour racheter leur image. C'est vrai qu'après, en vous lisant, j'ai pris conscience. J'aurais jamais dû partager ça, même si Dubaï, on va dire, ne seront pas concernés. Je regrette profondément l'autre fois d'avoir mis un Starbucks et tout. D'ailleurs, là, l'autre fois, j'en avais trop envie. J'ai dit, Alain, on n'y va pas, j'ai pas envie. Donc, à part les filles, rabâchez ce que vous voyez partout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses que vous attendez. Je sais pas, enfin...
Vous voulez quoi? Enfin, qu'est-ce que ça va changer? Aujourd'hui, si le monde entier n'agit pas, si aujourd'hui tous les plus grands États ne font rien, qu'est-ce que les poupettes vont faire? C'est ma poupette, je vous disais. Moi, je pense, honnêtement, je vais vous dire ce que je pense. Je pense clairement qu'il y a énormément de gens qui sont suivis, qui se servent de cette cause pour faire du buzz ou pour être bien vus. Chose qui n'est pas du tout mon cas. C'est pour ça que j'ai du recul sur la situation. Vous connaissez ma position. Pour moi, c'est le principal. J'ai vu un peu des messages où vous me dites oui mais c'est bien d'en parler pour ouvrir les consciences. C'est vrai que ça c'est important, mais est-ce que ouvrir les consciences aujourd'hui ça va faire quelque chose quand tu vois que les plus grands états du monde ne font rien, personne ne bouge? Qu'est-ce que nous on va faire? On va prendre nos tenues, on va y aller, on va se battre. Qu'est-ce que nous à notre échelle nous on peut faire? Moi je vous dis, et moi c'est clair et net, je suis une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive, voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Je travaille avec mes marques. Je vais pas dire que c'est tous des rebeux, mais c'est tous des gens de notre communauté et tout. Et alhamdoulilah, je suis très bien. Oui, mes poupettes, il faut boycott. Je vous invite à boycott toutes les marques, la liste de marques. Et je crois qu'elle est même pas complète. Donc si une poupette peut me l'envoyer complète, voilà. Oui, mes poupettes, ce qui se passe est un drame. Oui, mes poupettes. C'est un génocide, c'est même pas un conflit. Voilà. Enfin, voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est dur d'avoir des prises de parole devant 1 million de personnes. Faut employer les bons mots, faut heurter la sensibilité de personne. Voilà, il y a des gens, ils sont hypersensibles, ils entendent le mot massacre et tout, ça les effraie. Il faut vraiment prendre des pincettes. Hein. C'est pas facile pour moi non plus de m'exprimer devant 1 million de personnes. Moi, mes positions, elles sont claires. Je pense que vous les connaissez. Il faut boycott, il faut sensibiliser. Mais après, est-ce que ça changera quelque chose? Seul Allah sait. Palestine vivra, Palestine vaincra, Inch'Allah. C'est de toute façon dans le Coran. La suite, elle est écrite pour celles qui sont musulmanes, après pour les autres, voilà. On connaît l'issue, mais quand, on ne sait pas, comment, on ne sait pas. Mais Dieu l'a écrit, donc voilà. Mais c'est important de suivre le mouvement, c'est vrai. Mais après, rabâcher ça tous les jours, je ne sais pas si c'est utile, franchement. Oui, les filles, ne pas faire l'amalgame. C'est vrai, parce que j'ai employé un mot, ne surtout pas faire l'amalgame entre le mot juif et le mot sionisme. Donc, moi, je n'enrichis aucun sioniste. Voilà, je travaille avec des marques, vous les connaissez toutes. Majdaya, elle s'appelle Majda. Maskin, c'est une sœur en Allah. Et même si je travaille avec des Français chrétiens, etc., je ne travaille pas avec des gens qui financent ça. Je ne travaille pas avec des gens qui sont pour ça. Et j'adore les animaux, j'adore toutes les causes humaine, j'adore les gens, j'adore aider les gens, j'adore tout ce que vous voulez. Franchement, les filles, là, je suis une âme très sensible, mais il y a des choses que tu peux pas. Enfin, c'est délicat d'en parler parce que tout peut être mal interprété. Regardez, là, j'en parle. Hypocrite, t'en parles que maintenant. Je m'en fous du blockout, je m'en fous de tout ça. Moi, je m'en fous que les gens se désabonnent de moi. Moi, je connais mes positions, je connais mon cœur. Donc c'est ça le plus important. Je connais mes dons, je connais mes comptes en banque, je connais tout ça. Donc c'est ça le plus important. Chose, mais peut-être après, voilà, je vous laisse tranquille avec ça. Il y a trop des grosses haineuses, les filles, qui me suivent, des haters, des haineuses. Elles savent tellement comment faire, elles savent tellement pas comment faire pour que vous me dégagez de vos abonnés qu'elles se disent waouh, là on saisit l'opportunité. Vous savez, c'est des hyènes en fait. Elles se disent pas, en fait elles s'en foutent de Wallah, les filles, elles s'en foutent de la cause. Genre, c'est vraiment attiser la haine pour attiser la haine. Oh, on a trouvé un truc sur quoi s'attraper. C'est comme si j'aurais fait du mal à un chat dans la rue ou un truc comme ça, ce qui n'arrivera jamais de la vie. Mais en gros, elles attrapent ça pour attiser la haine. Genre, c'est écœurant, ça aussi, c'est hypocrite. Voilà, faut rester les pieds sur terre. Faut sensibiliser, oui, je le ferai plus si vous estimez que je le fais pas assez.
Mais il faut pas faire de cinéma, de semblant pour se faire aimer, se faire aduler. Ça, c'est encore pire que ne rien faire pour moi. Vraiment, c'est pire. Et pour ceux qui ne font rien, bah, la wa'alim. Enfin, voilà. Allah et Sahel, Dieu leur ouvre les yeux. Et puis voilà. Mais moi, les filles, il y a trop de gens qui font. En fait, Wallah, je suis vraiment. Qu'Allah vienne en aide à toutes mes poupettes, à tous les Palestiniens, à tous les animaux maltraités, à tous les orphelins, à tous ceux qui souffrent d'injustice dans le monde, à tous ceux qui n'ont pas leur justice ici-bas, à tous ceux qui se font mépriser, à tous ceux-là, tous les gens qui souffrent sur Terre, je souhaite que Dieu leur vienne en aide. Voilà, je souhaite que vous soyez tous heureux, que vous ayez la vie que vous méritez, que voilà, tout ça. Je vous souhaite à tous d'être heureux, d'être bien dans vos vies, et voilà, c'est la vie, elle est injuste. Il y a trop d'inégalités, il y a trop de gens qui ont des choses qu'ils ne devraient pas avoir, et inversement. Il y a trop de gens qui souffrent alors qu'ils ne devraient pas. Il y a trop d'innocents qui souffrent. Il y a trop de gens qui... Voilà, il y a trop de trucs. Mais par là, si on se met à se poser toutes les questions du monde, bah moi, qui est quelqu'un de très sensible, hypersensible, je ne vis plus. Mon corps me... Bon les amis, c'était ça les propos de Poupette Kenza, fervent influenceur musulman. Poupette Kenza a utilisé son influence sur les réseaux sociaux pour sensibiliser au sort des Palestiniens et a été un ardent défenseur de la cause palestinienne. Il a désactivé son compte Instagram, qui avait joué un rôle important dans le partage d'informations et de points de vue sur le conflit israélo-palestinien, alors que les tensions s'intensifiaient en raison de ce conflit historique. Le conflit israélo-palestinien est une question complexe aux racines historiques, religieuses et politiques profondes. Cela a commencé il y a des décennies avec des revendications territoriales et des aspirations nationales des deux côtés. Le conflit moderne a débuté au début du XXe siècle avec le mouvement sioniste et la création de l'État d'Israël en 1948, débouchant sur des guerres et des guerres. Mais cette fois-ci, cet conflit a allé plus loin en termes de destruction et des pertes, mais des dénonciations se font à travers les réseaux sociaux, et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.